que vous allez toutes et tous bien. J'espère que ceux et celles qui sont en vacances passent de bonnes vacances et que vous avez beau temps. Nous, il fait encore très très beau aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai voulu vous tourner la vidéo dans mon jardin et il y a tellement de soleil qu'on voyait rien sur la vidéo. Donc du coup, je suis rentrée pour la faire à l'intérieur. Et aujourd'hui, je vous retrouve donc pour tester les feutres que j'ai achetés chez AliExpress, que vous avez vu dans mon dernier haul. Donc, ce sont des outline pens. Ça s'appelle comme ça parce qu'en fait, quand vous écrivez, c'est argenté à l'intérieur et la couleur du feutre ne ressort que sur les extérieurs des écritures. Donc, eh ben, on va tester ça aujourd'hui ensemble. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Comme ça, vous pourrez aller les acheter. Alors, on y va. Donc, j'ai pris mon Twin Sketchbook pour pouvoir tester ça. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors, commençons par le rouge. On y va, c'est parti. Et oui, ça fonctionne. Alors, du coup, ça écrit bien argenté et le contour rouge. Alors, c'est hyper discret. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir correctement qu'effectivement, dedans, c'est argenté et extérieur, c'est rouge. Bah alors le rouge, c'est vraiment très fin. Hop. On va essayer le rose. Donc là, c'est le rose foncé. Ouais, ça marche aussi. Hop. Est-ce que vous allez voir? Ça m'embête parce que je ne sais pas si vous voyez le fait que ça fasse rose à l'extérieur. Ça écrit argenté et ça fait rose à l'extérieur. Hop, on va essayer le rose clair. Ça fait pareil. Hop, le orange. Ah, celui-là, ça ne fait pas. Alors là, ça fait carrément orange. Et il n'y a pas du tout du coup d'extérieur. C'est vraiment du orange. Donc je ne vois pas ce qu'il fout là, puisque normalement, ils devraient tous faire la même chose. Donc déjà, celui-là, c'est mort. Ensuite, un jaune orangé. Ah bah super, celui-là c'est pareil, il fait pas non plus. Hop. Donc déjà on en a deux qui servent à rien. Celui-là il marche. Celui-là ça le fait. Donc le jaune ça fonctionne. Ensuite le vert. Bah c'est un vert. Super. Donc déjà, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on en a déjà 3 où c'est pas argenté. Où ça ne le fait pas du tout. Après, le bleu. Lui, ça marche. Hop, le bleu foncé. Et bien, c'est du bleu foncé. Super. Après, le violet. Ah, le violet, ça marche. Hop. Après, nous avons un argenté. Alors, du coup, argenté sur argenté, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais bah, du coup, on ne voit quasiment pas puisque... Ça fait légèrement argenté plus foncé, mais franchement, ça se voit à peine du coup. Et le noir. Oh putain, déjà il fuit. Super. Bon, alors, je vais aller chercher de quoi m'essuyer.
Bon, déjà, on sait que c'est pas de la bonne qualité, hein. Alors, il fuit et en plus, franchement, ça m'étonnerait qu'il fasse. Voilà, il fait rien du tout. Donc lui, il sert à rien et en plus, il fuit. Comme ça, tout va bien. Hop. Bon, bah voilà. Donc sur 12 crayons, sur 12 feutres, il y en a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui font bien l'effet escompté. Tout le reste, c'est comme du feutre normal. Ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Du coup, finalement, c'est mitigé. Hein. Clairement, je suis un peu dégoûtée. À 6 euros la pochette de feutre, à voir que la moitié qui fonctionne vraiment et l'autre moitié où ça fait rien du tout, bah pas super. Donc, les scrap copines, je vous les conseille pas parce que franchement, c'est une déception. Et en plus, 6 euros pour 12 feutres, ça fait cher. Donc là, je suis dégoûtée, hein, clairement. Alors, je vous déconseille d'acheter ça. Voilà, j'espère que ça vous aura servi. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes vacances. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.